この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons jouer, vous l'aurez compris, à 1080 1080 un snowboarding comme vous voulez sur la Nintendo 64, considéré comme en tout cas à l'époque l'un des meilleurs jeux de snowboard. Il faut savoir que la concurrence était assez rude déjà dans ces périodes, même si plus tard ça sera la série SSX qui mettra quasiment tout le monde d'accord. Avec bon, certes quelques jeux comme Amped qui avait tenu le pavé, mais de manière générale on va retenir SXX et dans les années 90 Cool Boarders, mais chez Nintendo on aura le très bon 1080 Snowboarding. Donc c'est parti, on a donc un mode challenge, un contrôle à montre, un mode figure, un mode tournoi, un mode entraînement et les options. Alors je découvre ce jeu en même temps que certains peut-être, donc j'ai juste vérifié que le jeu tournait, mais voilà, on va découvrir ensemble. J'ai fait juste 3 entraînements histoire de voir à peu près les contrôles. Et on va voir déjà le menu options. Qu'est-ce qu'on a intéressant dedans? Alors on a un mode vidéo, je sais pas ce que c'est, on peut voir les records, on a le son. La langue, je prends. Donc là on l'a mis en français hein, pour le moment. Et ce que je vous propose c'est qu'on baisse un tout petit peu voilà, le son. On va garder, moi je suis en mode casque, mais bon, pour vous ça change rien. On va faire OK. Et la langue évidemment, voilà, on peut avoir l'anglais, le japonais, le français et l'allemand. Du coup on va rester comme ça, hein. Le français c'est très bien. On va faire start. Et du coup je vous propose de commencer pourquoi pas par un petit contrôle à montre histoire de voir un petit peu comment se déroule le jeu. On choisit donc des personnages, alors vous pouvez voir quand on va dessus, voilà, on a les caractéristiques. Donc voilà, par exemple Kensuke Kimachi. Ensuite on a Dion Blaster, on a Diane Blaster, on a Rob Haywood. On a Akali Ayami, alors c'est drôle, hein. Dans SSX c'était pareil, on avait une fille et c'était une japonaise. Voilà, on va croire que dans tous les jeux, dès qu'il y a une fille, c'est une japonaise. Bon, on a Ricky Winterbourne, canadien. Et puis voilà, alors j'ai peut-être qu'on débloque d'autres personnages après. Donc on va prendre, peu importe en fait, hein, on va juste tester. On va prendre Dan Blaster. Nigga. Pardon. Choix d'un surf. Donc du coup, on a voilà, des surfs différents et des statistiques différents. Alors, on a la prise de carré, l'accélération, réponse, stabilité, flex. Alors, je connais pas forcément toutes les caractéristiques de quoi ça correspond, sincèrement. Je suis pas non plus super calé en snowboard, n'ayant jamais fait ça de ma vie. En du ski, oui, mais étant du snowboard, non. Prise de carré, je pense qu'il faut faire les tricks. Accélération, bon, ben voilà, vous avez compris. La réponse, c'est le temps de... Je sais pas. La stabilité, on vous a compris, par contre le flex je vois pas du tout. Vous allez voir qu'on va pouvoir choisir, alors je vais prendre une planche ouais, qui a l'air assez bien, la Taoué 155. Et on peut choisir voilà, dans Goofy ou en régular, donc si on est droitier ou gaucher. Et on va choisir un parcours, donc là on a le Crystal Lake, on a le Crystal Peak. On a le Golden Forest, alors je pense que voilà, on en a que 3 tableaux pour le moment et vous voyez qu'on en a d'autres en noir, donc je pense qu'on va pouvoir les débloquer plus tard. A mon avis ceux de gauche ce sont ceux qu'on peut utiliser qu'en mode freestyle peut-être. Donc on va découvrir ouais, peu importe, on va prendre celui-là. Et vous avez compris, on est en hiver, vous n'avez pas le droit d'aller aux stations de ski, sauf dans certains pays. Du coup bah, on fait comme on peut. Donc là c'est juste une contrôle à montre, on peut voir les dégâts aussi, on a une planche
On a une petite planche qui va prendre des dégâts au fur et à mesure que l'on va tomber. Alors là, faut juste faire une course. On a un hélicoptère qui nous suit, c'est très très bien fait d'ailleurs. Alors je peux me baisser légèrement, voilà, pour prendre de la vitesse. Avec. Bon, pour moi, c'est la gâchette, mais je n'utilise pas de manette 64, hein, je précise, je n'ai pas de manette 64. Alors, je peux me baisser pour prendre un peu de rythme. Et d'ailleurs, je suis un peu bête parce que. J'ai tendance à mettre le joystick vers l'avant, comme dans SSX, alors que ça sert à rien. On a quelques petits raccourcis, notamment ici on pouvait aller à droite, j'ai l'impression. Et par contre j'ai l'impression qu'on peut peut-être manier vers l'avant ou l'arrière la position de la planche. Alors quand on est dans ce mode là, c'est-à-dire en mode juste descente, ça sert à rien, tant qu'on est au contact de la neige. Et quand on est en l'air, potentiellement, ça peut nous permettre de l'orienter. On va essayer d'aller par là. Olé. Aïe aïe aïe, on a son animal. On a un petit tout écran au fond, voilà, qui nous montre ce qu'on fait en temps réel. C'est incroyable, regardez-moi ça. Oui. Là, je vais me baisser un peu. Je vais essayer de faire un trick. Voilà, je peux sauter. Alors pour sauter, il faut faire la touche B. La touche A, pardon. Et touche B ensuite avec une combinaison pour faire une figure. On peut utiliser aussi les gâchettes pour faire un tour sur nous-mêmes, des 180, 360 et jusqu'à évidemment 1080, qui est un petit peu le nom du jeu hein, concrètement. On a le nouveau record du temps, donc une 25-60. Bon, évidemment, vu qu'il n'y a pas eu de temps avant à part une 30. J'aime bien ce petit effet de blur d'ailleurs à la fin, c'est plutôt pas mal. On peut voir le replay avec un petit effet, regardez, de. Cet effet vidéo, c'est pas mal. On peut voir du coup nos exploits. J'ai pas l'impression qu'on puisse changer de vue. Hein. Si je fais. Voilà, je dois rentrer mon nom. Donc c'est parti, on va faire ça. Et voilà, on va valider un meilleur score. Et du coup, on a aussi le meilleur temps. Bon. Évidemment, en meilleur temps. Ah voilà, donc du coup, vidéo, ça nous permet de revoir certains replays, j'ai l'impression. On peut changer de sort, changer de surfeur, changer de parcours. On va changer de parcours, histoire de découvrir un deuxième parcours. Puis ensuite, on fera le mode freestyle. On va essayer par exemple le Golden Forest. Golden Forest. Ready? Donc là évidemment, ce que je fais dans ce mode là, c'est un mode où je dois aller le plus vite possible, hein, donc j'ai pas besoin de faire de trick en fait. Je peux sûrement aller là je pense. Et voilà. Je le savais. Alors c'est évidemment voilà, plus linéaire que les... Je compare avec SSX, mais je devrais même pas comparer avec SSX finalement, parce que par rapport à la technique, par rapport aux années, c'est pas du tout les mêmes capacités. Mais je dis c'est assez linéaire dans le sens où vous voyez que le trajet, il n'y a pas non plus 3 millions de choix, on peut prendre droite à gauche certaines fois. On peut sûrement couper en prenant certains éléments du décor par exemple, peut-être on peut aller sur certains chalets, monter sur les toits, etc. Alors là, parce qu'il va falloir que je me baisse, je sais pas si je peux me baisser en fait. Est-ce qu'on peut se baisser? Là je saute. Non, j'ai pas l'impression. Vous avez vu, la position de la planche est très importante, c'est-à-dire que si je touche un petit peu l'arrière en tombant, je me fais mal en fait, je tombe pas bien. Donc du coup, il se casse la gueule. Ah, je l'ai raté. Non, c'est bon. Et allez, de l'avant vers l'arrière, vous voyez, il y a un petit effet qui est assez bien fait, que je n'ai même pas vu dans beaucoup de jeux de snowboard. C'est, regardez bien, enfin là, on va pas forcément le voir là, mais regardez. Là, je vais passer sur du verglas, et on a le ressenti verglas, hein, d'ailleurs, qui est bien fait, avec le petit reflet, regardez. Du personnage, alors certes un peu moins détaillé, mais quand même plutôt réussi. Et vous avez vu, quand je suis tombé, on avait les vêtements, l'effet d'air dans les vêtements qui traversent les vêtements, qui les font bouger assez vite. Et ça, c'est super bien fait. Franchement, c'est un détail qu'on n'a pas forcément dans tous les jeux de snowboard. On n'a pas fait la série des Cool Borders par exemple. Il y a hyper longtemps sur la chaîne, on avait fait Epic Air, qui était pour moi un jeu totalement pourri, mais bon. Du coup, on va pouvoir comparer ce jeu, et déjà au niveau de la technique, on est bien au-dessus. On va faire un petit saut. Ah, j'ai fait n'importe quoi. Oh, regardez par contre, regardez, j'ai ma barre qui est quasiment morte. Donc le prochain choc,
Le prochain choc, en gros, bah, je vais casser ma planche ou abandonner. Il y a aussi le fameux mode avalanche aussi, où on aura quelque chose qui va nous courser, une avalanche concrètement. Et on va le découvrir aussi ensemble. J'espère qu'on va tomber sur l'avalanche. Bon voilà, c'était assez correct. Même si on est tombé pas mal de fois. On va valider notre nom. Bon, les musiques sont sympas, assez classiques. On parlera après du coup alors de la bande son, effectivement, on va parler un peu des graphismes ensuite. Alors on a le mode figure, le mode tournoi et le mode challenge. On va faire le mode challenge, on va faire les trois modes. Et on a un parcours donc de. En mode normal, voilà, 4 parcours difficiles ou experts. Alors c'est un peu. J'avais compris ces jeux. Qui mettent un mode normal, puis après tout. Pourquoi ils mettent pas un mode facile, normal, difficile? Ça sert à rien d'être difficile ou expert en fait, c'est un peu bizarre. On va changer de surfeur, on va prendre par exemple. What's up, guy? On va prendre Robbie Wood. Voilà. Let's go! On a. Du coup, qu'est-ce qu'on a comme surf? Alors lui, les stats sont en l'air un peu moins bonnes. Enfin, je sais pas, au niveau des planches, ça a pas l'air exceptionnel. Ah si, ça a l'air beaucoup mieux. La Scoot LTD a l'air pas mal. Ah ouais, ça elle est super bien. Mais en fait, regardez, quel intérêt je vais avoir de prendre celle-là. Elle est nulle partout. Je prends celle-là, enfin, je sais pas, c'est limite logique, quoi. Je prends la dernière, c'est la meilleure. Je comprends pas trop, en fait, mais bon. C'est pas grave. Ah, donc on va jouer contre la seule fille du jeu, d'ailleurs. Allez, c'est parti. Donc là, on n'a pas de chrono à faire. Et d'ailleurs, comment ça se passe? Je sais pas comment on fait pour tomber bien en fait. Ça, c'est un truc que j'ai pas encore assimilé. Bon, on va essayer de prendre de la vitesse. Et vous avez vu, voilà, quand on a de la vitesse. Non, on a fait. Donc, au niveau des graphismes, bah, c'est assez sommaire hein, dans l'idée. C'est-à-dire que bon, ça reste des couloirs. Après, le jeu, il manque un peu de détails en fait au niveau des tracés. Mais c'est propre, voilà. Disons que c'est dans les standards de l'époque, surtout. Dire ça comme ça. J'aime aussi les effets de profondeur, enfin de la trace laissée par la planche. Ah. Alors je pourrais couper, mais comme je connais pas vraiment le tracé, je le fais pas. Vous voyez, quand c'est un petit peu derrière, on perd un peu de temps. Et quand je me baisse, en fait, on a tendance à tourner un peu moins bien. Donc c'est bien de se baisser pour prendre de la vitesse. Mais voilà, après il faut le faire de manière à conserver quand même assez de grip. Oula! Ah, j'ai réussi à retomber! J'ai réussi à retomber. Par contre, elle est vraiment devant moi. Hein. J'ai pas réussi à faire grand chose après ça. Mais elle retombe trop devant. Je devrais peut-être un petit peu mettre en avant la planche. Ouh! Oh, les réactions du surfeur, quoi! J'ai perdu, hein. J'ai perdu dès le début. Alors, vous avez vu, j'ai trois planches. Je sais pas à quoi ça sert. Ah, ben voilà, bon, on le sait du coup. C'est le nombre de tries. Donc, j'imagine qu'en 3 tries, il faut que j'aille le plus loin possible. On va retenter. On va retenter quand même une fois. Allez, c'est parti. Elle est mieux partie, hein. Alors la bande sonore, la musique est assez particulière, plutôt sympa d'ailleurs. Oh, on l'a fait tomber. On peut faire tomber les adversaires, ça c'est bon à savoir du coup. Alors je sais pas trop à quoi sert la gâchette, l'autre gâchette. J'ai l'impression que je dirais bien qu'elle sert à rien. Ah ici, on peut changer de vue, pardon. Alors, on peut changer de vue. Il y en a une, regardez, embarquée, qui est, bah, ça rend le truc beaucoup plus immersif. Mais j'ai envie de mettre cette vue là. Ouh, le choc! On va voir par où elle passe. Non, elle passe par là. On va essayer de se baisser pour prendre un peu de vitesse. On a 118 km/h quand même, mine de rien. C'est plutôt beaucoup.
Alors c'est un effet un peu écrasé, on a une vue qui est un petit peu aplatie, c'est assez bizarre. Là je suis encore tombé. Alors, par contre une fois que je me suis planté, je vois mal comment je vais pouvoir la rattraper. Et là j'ai perdu de la... Et je suis quasiment mort hein, au niveau des dégâts, vous pouvez le voir. J'ai pris quand même pas mal de trucs dans la tronche. Là je vais pas prendre les sauts, on va voir si ça me permet de remonter un peu. Ah elle est super rapide. Franchement elle va gagner encore une fois. Et de loin. On a une petite ambiance sonore assez dégueulasse quand on perd d'ailleurs. Bon, on va pas trop tenter. Dernière fois. Ouais. On fera des autres modes de jeu après. Et c'est parti. On est parti en même temps. Je vais me baisser pour prendre plus de vitesse dès le début. Ah par contre, vous voyez là, j'ai planté ma... J'ai planté la planche bah, vers le haut. Vers le... Je me suis planté devant en fait. C'est assez technique mine de rien, le placement de la planche. Alors c'est un jeu qui est beaucoup moins... enfin, même si ça paraît peut-être autant arcade, c'est quand même un peu moins arcade que Nelly SSX, hein. C'est pas un jeu... Et voilà, elle a passé, on la reverra plus. Ah ça va, on est bien retombé. Allez, je peux couper un petit peu. Et du coup on profite pour la rattraper, ça c'est bien. Eh, c'est un petit peu loupé d'ailleurs. Oh là! Eh, va-t'en! Get out of here! Oh! Oh! J'adore ce petit. Oh là! Bon, tu sais, on dirait le mec qui vient de se casser la gueule, limite ça lui fait rien du tout. Oula! Ouh! Incroyable, on dirait un mauvais film de cul quoi. Oh, est-ce que je vais pouvoir la rattraper au dernier moment et la dépasser? Dites-moi que oui! Non! Je vais perdre devant la ligne. Ah, c'est dommage, j'avais fait un peu mieux. Mais on s'est planté sur la fin. Bon, c'est pas grave. J'ai plus d'essai normalement. Du coup, c'est game over, voilà. Et du coup, on va repasser au début. Bon, on a même pas réussi à passer le premier niveau, c'est incroyable. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On va essayer de voir les autres modes de jeu, du coup, maintenant. On va faire le mode figure. Allez, on va prendre Akari Ayami. Ok. Bah ouais. Pourquoi je prendrais autre chose que cette planche finalement? Enfin, ça c'est un petit peu dommage. Et regardez, on a d'autres choix. On a celui-là, le Air Make. On a le Halfpipe, donc demi-cylindre. LOL. On va prendre celui-là. On l'a pas vu. Ah oui, donc en fait c'est juste. Ok. Donc là je vais sauter. Et je retombe, et je suis mal tombé, du coup je n'ai fait aucun meilleur score. On va recommencer. Yo baby. Baby, 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 come. Bon, par contre je sais pas comment ça se fait, je retombe toujours mal. Il y a peut-être un truc pour retomber droit, je sais pas. Ok, je retombe toujours mal quoi, je sais pas comment on peut faire pour bien retomber. Ah, j'ai pris un peu plus de vitesse. Ok, bon bah ouais, bah, je sais pas comment on retombe en fait. Yo.
Ah oui, bah là, c'est sûr que sur la tête. Bon, en plus, elle est morte, hein, normalement, mais bon. Allez, on va essayer de faire un bond cette fois-ci. Je peux jamais retomber bien en fait, donc victoire, score 0. Incroyable, quel beau score. C'était beau, hein. On a fait 0, mais c'était un beau score. Bon, c'est pas grave, on va faire quitter. Mais je suis étonné, je pensais qu'il allait avoir un mode spécifique en fait, mode figure, mode tournoi. Alors on va faire mode tournoi. Contest. On va la reprendre du coup. Hey, hey. Et on va prendre bah, la même. Hein. Ça me dit quelque chose. Ah, alors là on doit passer. Vous l'aurez compris, entre les. Bah, entre les bleus et les rouges. Donc là, c'est un fail par exemple. Et à chaque fois que je fail, je prends 2 secondes de pénalité sur mon temps. Du coup, là, c'est pareil, je me suis loupé. Et j'ai un chrono, hein, j'ai 16 secondes. Pour arriver jusqu'au checkpoint. Pourquoi j'ai eu hurry up? Déjà, temps écoulé. J'ai cru que j'ai pas dû comprendre là. Bientôt que j'ai pas dû comprendre. Il y a un truc que j'ai absolument pas dû comprendre là. Alors je les prends à l'envers. Non mais en fait je pense que la bêtise depuis tout à l'heure c'est que je le prends à l'envers. On va faire recommencer. Je suis sûr que je le prends du mauvais côté. C'est juste que je les prends du mauvais côté. À mon avis, il n'y a que ça en fait que je fais mal. Ouais. Ouais, voilà. En fait, c'est juste ça, j'ai pris du mauvais côté. Plus de secondes, en fait, je pensais que ça m'enlevait du temps disponible, et en fait, ça m'en rajoute. Ah, c'est tout de suite beaucoup mieux, hein. Oula, le gros choc final. Alors j'ai pas l'impression qu'il y ait un changement de seconde, en fait, si je le prends près ou pas près. Par contre, si je pouvais éviter de me planter, ça serait beaucoup mieux. J'ai pas l'impression de gagner ou perdre du temps, enfin de plus gagner de temps au moins. J'ai un peu échoué là par contre. Ok, ça peut le faire peut-être, on va voir. Ah, je l'ai foiré.
Ah, bon sang! Allez, tu peux le faire, tu peux le faire. 12 secondes. Là, c'est bon. Là, on passe là. Là, on passe là. On va accélérer un peu. Bon, bah, on a réussi. En fait, c'était juste de l'autre côté, quoi. Ah, deuxième manche au Air Make. Oula, alors attendez, il y a un gros bug de son là, c'est trop bizarre. Ah, il y a un gros bug de son, c'est quoi ce délire? Je vais pas changer les options du son là. Bon, de toute façon, je vais pas réussir puisque. Que là on va se louper. Bah oui, évidemment. Vous voulez que je fasse quoi en termes de trucs là? Bon, j'espère que ça va décanter le clou au chargement. Ah, c'est bon, c'est passé. Ouf. Heureusement que c'était court. Hein. Allez, c'est parti. On va découvrir du coup un nouveau tracé. Voilà, on va juste nous concentrer quand même pour bien les passer. Bon, pour l'instant, ça va, ça se passe pas trop mal. Là, il faut que je saute, attention. Là, il faut que je passe ici. Ok, on a aussi bien retombé, ça c'est une bonne nouvelle. Ah ah, j'ai loupé. J'ai loupé, du coup j'ai perdu du temps. Alors, attention de ne pas trop tomber. Alors, on va passer par là. Alors évidemment, là je peux me baisser pour gagner un peu de vitesse. Ce qu'on va faire un peu quand même. Pour essayer de rattraper un peu de temps. Oh, attention, là c'est passé aussi. Ouh, ça fait juste. Un circuit qui a l'air un peu plus étriqué. Hein. Enfin, une piste qui a l'air un peu plus étriquée. Mais c'est pas un circuit. Hein. Un circuit, c'est une boucle normalement. Hein. Gauche, enfin qui fait un tour. Là, c'est pas du tout le cas. Donc ça s'appelle une piste. On a le logo d'une 64 en haut. Ah, je suis loupé. Ah, alors il fallait que je passe à côté. Non, c'est bon. Ah, j'ai loupé! Ah, ça commence à devenir critique là, les gens. Ah, il faut vraiment que j'en loupe aucun. Pour l'instant ça passe, je vais en louper un. C'est la fin. On va se louper. Oh, c'est bon, on a réussi. C'était vraiment, 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 vraiment limite. Mais on a réussi. Ah, quatrième. Ah bah le half-pipe, on l'a déjà vu avant. Mais alors du coup, le half-pipe, comment ça va se passer? C'est juste du... Voilà, du coup, je vais pouvoir vous montrer un peu. Voilà, là je prends un peu de vitesse. Hop, on peut faire un. Et j'ai que 30 secondes évidemment pour finir mon tour. Yes, et voilà.
On a fait du coup un petit score. Bon, évidemment, c'est le total du score qui va jouer. Hein. Pour l'instant, on a fait que 34 850. Mais je pensais qu'on aurait des courses, on serait plus que deux en fait. On serait 3 ou 4. C'est là que je suis un petit peu déçu. Je pensais qu'on allait au moins être 4, 4 à se battre ensemble ou 5, hors 6. Et là, ça donne un manche là, Golden Forest. Et on va devoir faire en temps. Bah, en temps limité, vous l'aurez compris. Ah, la musique est sympa. J'aime bien le truc. Là, par exemple, j'aurais pu passer tout droit, je l'ai pas fait. Alors, on va essayer de se concentrer pour finir quand même au moins une fois le mode débutant. J'ai dit ça pour me planter. Oh, bah c'est pas possible! J'ai réussi à me louper quoi. C'est bon, on est passé, on va essayer de prendre la vitesse. Alors en fait les arts on peut on, ça va rien, c'est-à-dire qu'on peut se les prendre. On va pas avoir de choc. Putain, je suis foiré encore une fois. Ouh, je sens qu'on va le foirer celui-là. Et là du coup c'est l'échec. On va essayer de reprendre de la vitesse. Alors, il y a un saut qu'on va pas faire, mais on va quand même le faire. Bon, c'est pas grave. Oh, on va tous se louper. Ça va être trop juste. La musique il fout la pression. Non. On a la limite, il ne reste que quelques secondes. J'ai encore loupé. On a réussi, mais vraiment c'était sur le fil quoi, pour quelques dixièmes. Enfin, je crois qu'on a, on a échoué pour une seconde maximum quoi. À la fin on avait 3 secondes, mais on était tombé au plus bas à une seconde. Bon, bon, on a réussi. Bon, c'était pas loin sans mal, mais on a réussi en tout cas à finir le mode débutant. Alors on finit à la deuxième place par contre au niveau du score. Mais au moins on a fini le premier coup, c'est bien, c'est une bonne nouvelle. EAD avait fait 50 000, on a fait 49 260. Oh, c'est dommage. C'est dommage. Du coup, on a le deuxième chrono. Donc, on peut changer le surf, changer le surfeur. Bon, on va faire quitter. Bah, écoutez, du coup, je vous aurais un petit peu tout montré finalement. Le mode entraînement, bon, on peut faire des figures dessus. Qu'est-ce que. Bah, oui, bah, évidemment. Alors, je sais qu'il y a des avantages dans le jeu, mais j'en ai pas eu. Donc je sais pas à quel moment il est censé les débloquer, de toute façon ça, ça sera à vous de le découvrir. On va faire un mode d'entraînement histoire 2, mais... On va changer de personnage, on va prendre lui, tiens. On va prendre Ricky Winterbone. Et on va prendre bah, toujours la même. Hein. Welcome. Voilà, donc là on a un mode free, mais on va se mettre en mode half pipe parce que vous allez voir, il nous explique un peu comment faire tel ou tel. Voilà, on a la liste des figures, je vous montre quand même. Voilà, on a le Lean Air, le Shifty, le Indie, Nose Grab, Tile, Shifty, Moon Grab, Stallfish et évidemment 360, 140, etc. Vous allez voir que quand je vais débloquer chaque fois une ou deux figures, je vais pouvoir faire après d'autres figures. Donc la première. Hello. Voilà, on va la faire, on va faire la figure, là on va faire hop. Ah, je me suis loupé. Je me suis loupé, on va retenter. Ah, j'ai perdu la vitesse, là du coup on va essayer d'en prendre un peu.
Ah, c'était pas un Nosegrab que je voulais faire, c'était un... Voilà, Steve T. On va essayer de revenir là. Hop, un Mudgrave. Voilà. On va passer là, j'ai perdu un peu de vitesse, mais bon, ça peut peut-être le faire. Non, Stallfish, je me suis trompé. Encore une fois, Stallgrave, attendez. Voilà, Stallfish. J'adore cette musique en fond à chaque fois. Alors c'est plutôt un indie Nosebone que j'aurais dû faire. J'ai encore fait un indie, c'est bizarre. Voilà, là on en a réussi. Après on a R. Je crois que j'ai loupé aussi. Le problème c'est que là j'ai pas eu trop de vitesse. Voilà, 180. On va faire 180 R, après on va reprendre ici. Voilà, et là en fait on matraque le... On va essayer d'en faire un meilleur, mais ça m'étonnerait qu'on puisse le faire. Là on a le 360 R. Ah c'est un peu compliqué, il faut faire R, tourner en même temps et R plus ça. Mais c'est ok, là je pense que je vais pas y arriver. Alors attendez, il faut se concentrer en même temps, on va faire... Attendez, je vais prendre de la vitesse. Ah j'ai pas réussi hein. Non, j'arrivais pas à enchaîner en fait les deux en même temps. Voilà, 540 on a réussi. Non, j'arrivais pas à le faire. C'est pour l'instant, c'est trop compliqué pour moi. Oh, 540 on a réussi. Ah, c'est fini. On a terminé le... On a terminé et du coup, regardez, quand je vais voir la liste des figures, il nous reste tout ça à débloquer. On a le Panda Tweak, le One Foot, le Panda Tweak Backflip, Front Flip, enfin il y a encore d'autres figures. Regardez après comment ça se complexifie. On a ça, plus ça, plus ça. Enfin on va pas le faire parce que c'est trop tard de toute façon maintenant. Mais on peut faire tout ça comme figure en plus. Voilà, et là du coup ça reprend, on peut recommencer. Mais du coup on va pas faire ça. On va s'arrêter là-dessus. Écoutez, bah, c'est ma foi un jeu fort réussi, vous l'aurez compris. Bon, pour l'époque, évidemment. Un très très bon jeu de snowboard. J'ai pas fait beaucoup de Cool Borders, on en fera sûrement un ou deux, histoire de comparer dans le futur avec ce 1080. Il a une suite d'ailleurs, hein, ce 1080. Je me demande si c'est pas 1080 Avalanche d'ailleurs. A savoir s'il était mieux ou moins bien que cette version. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour une autre vidéo. Ciao tout le monde.